comment vous différencier de la masse sur Facebook et faire ressortir votre image de marque en avant plus que les autres? Comment faire pour que vous puissiez créer une véritable communauté engagée qui a envie de vous suivre? Comment faire même pour que vous puissiez même augmenter votre nombre de ventes et de recrutement simplement en utilisant une différence que la plupart des marketeurs de réseau n'utilisent pas, ne font pas, et qui va faire qu'on va vous reconnaître et que autour de vous, vos équipes, vos parrains, même vos uplines diront « Hey, attends, c'est quoi ton truc ?» Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation, donc en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, sachez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir une vidéo tous les jours. Et vous pouvez télécharger dans le descriptif de cette vidéo ci-dessous, c'est gratuit, un coffret cadeau, MP3 vidéo et PDF sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître absolument, c'est gratuit. Donc comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau utilisent, Facebook, avant tout pour communiquer d'une manière plutôt agressive, même j'ai envie de dire amateuriste, tout simplement, ce sera le bon mot, parce qu'en réalité, ils ne prennent pas le temps de créer de la relation, ils ne prennent pas le temps de pouvoir nourrir une vraie communauté, et c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à créer une vraie communauté autour de vous. Et si vous savez créer une communauté, mais que vous savez surtout bien communiquer à cette communauté, eh bien vous allez créer une dynamique très très forte autour de vous qui va faire que vous allez vendre plus que les autres, vous allez avoir plus de monde que les autres et vous allez avoir un taux de rétention plus important que les autres dans vos groupes. Vous n'aurez pas des touristes, vous aurez des gens concernés. Et pour ça, vous devez absolument vous concentrer sur un critère qui fait toute la différence. Ce critère, il est tout simplement sur une manière de communiquer. Et votre manière de communiquer, eh bien, elle doit être liée à ce qu'on appelle du storytelling. Vous devez raconter des histoires. Pourquoi je vous dis ça? Tout d'abord parce que l'être humain fonctionne beaucoup mieux aux émotions qu'au côté factuel, rationnel. Donc plus vous racontez d'histoires, plus les gens vont être touchés émotionnellement. Mais ce n'est pas que ça, c'est qu'on se rappelle beaucoup plus d'une histoire que d'une caractéristique ou d'un fonctionnement ou d'une fonctionnalité de quelque chose. Donc c'est très important de raconter des histoires et raconter des histoires va faire voyager quelque part votre communauté et vos futurs clients, vos futurs partenaires. Et donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous proposer une idée, c'est que à partir de maintenant, tous les posts que vous allez faire, tous, j'ai bien dit, doivent raconter une histoire. Cherchez toujours à mettre des émotions. Et ce que vous voulez, c'est mettre différentes émotions, des couleurs d'émotions qui vont de la douleur, de la tristesse, de la peur ou tout ce qui s'ensuit. Et puis aussi toutes ces émotions de joie, de réussite, de fierté, de confiance en soi, d'évolution, de transformation. Donc tout ça, plus vous faites naviguer les gens, plus les gens ont envie de vous suivre et ont envie de rester. Donc amusez-vous toujours à vous rappeler de la structure des storytelling. Et c'est exactement la même structure que pour vous quand vous faites votre témoignage. Rappelez-vous toujours que vous devez parler du monde d'avant, de tous les problèmes, les difficultés, les douleurs qu'il vivait ou les envies de choses qu'il voulait. Toujours pareil. Voilà, madame un tel ou monsieur un tel, dire qu'à l'époque, elle était dans une situation précaire financièrement ou dire qu'à l'époque, elle était dans une situation où elle se sentait pas bien dans son corps. Elle avait effectivement le regard des autres qui l'a touchée. Elle avait perdu confiance en elle. Et puis un jour, donc il y a le comment. Ensuite, il y a quelqu'un, le guide qui est arrivé, une personne qui est arrivée par là. Et ce fameux guide, donc c'est la troisième étape du processus en général. La première, c'était les deux premières, c'est lié au problème et à la situation de la personne. La partie 2, c'est on va dire le guide qui est là, qui arrive, qui vient. Donc une rencontre, il a suffi qu'on se rencontre un jour par exemple. Et puis suite à cette rencontre, elle n'y croyait pas, il y avait des doutes dans sa tête, elle ne pensait pas que ça pouvait marcher. Et puis ensuite, dites le pourquoi, mais c'était tellement fort pour elle. Elle voulait absolument changer, c'était tellement important parce qu'elle avait le sentiment par exemple que son mari ne la regardait plus comme avant. Donc il y a un pourquoi derrière. Donc vous imaginez, vous avez présenté la personne, toujours un côté. Ensuite vous avez expliqué ses douleurs. Ensuite vous avez expliqué comment la rencontre de votre solution est arrivée dans sa vie. Ensuite pourquoi elle avait vraiment besoin de l'utiliser. Et puis après donner, je dirais, le nouveau monde. C'est-à-dire après avoir utilisé, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les améliorations? Et puis aujourd'hui, maintenant un tel, eh bien après
tant de semaines, elle a déjà commencé à avoir tel résultat, une nouvelle confiance et ceci. Mais maintenant, ça n'a pas toujours été facile. Montrer aussi qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où elle a eu besoin de soutien et on était là. Mais ce qui est génial, elle a amené vers une victoire. Ce n'est que le début, c'est déjà une première étape, c'est déjà un vrai succès et ce n'est que le début d'une grande belle transformation pour un tel. Vous imaginez si vous venez de faire un post avec un avant-après en ayant raconté une histoire? Mais ça change tout que celui qui vous pose un avant-après en vous disant « Voilà mes produits, telle réduction, tel avantage, laissez-moi un message en message privé si vous voulez en savoir plus. » Vous vous rendez compte? Donc, s'il vous plaît, racontez des histoires, vous allez vous différencier de tout le monde, vous allez être reconnu, vous allez créer une communauté, vous allez donner de la valeur et donc vous allez vendre plus. Mes amis, partagez ça dans vos équipes, vous allez les aider parce que le moment n'a jamais été aussi favorable que maintenant pour réussir. Partagez-les, aidez-les, vous allez avoir une communauté de partenaires dans votre équipe gigantesque. Comme d'habitude, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.